Salut les potos, ce matin on se retrouve, on va changer un peu. Avec Adrien, on a décidé d'aller au micro-jigging, chercher tout ce qui est macro, blad, ce genre de poisson. On verra si ça donne. D'habitude, le mois de mars, avril, c'est des bons mois pour ce genre de pêche. Mais l'année dernière, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de cerveaux. Donc on va voir si cette année c'est pareil, si ils sont déjà arrivés, on verra ça. Allez! À tout à l'heure. Hop, poisson. Poisson? Ouais. Ils sont là, les saveurs. Avec le loup jig. C'est le gros. Mais. Ouais. Je t'ai dit, c'est le coin. On va essayer de le relâcher. Ah putain, pardon. Ouais, je vais. Elle est où? Elle est là-bas. Je crois que je vais te la prier, je vais te la piquer. Hop, poisson. Je te fais après l'animation. Oh, je sais rien. Je sais même pas s'il y a encore. Tiens, quelle couleur? Blanc rayé, ouais. Je sais même pas s'il y a encore. Ça se décroche trop facilement, ces merdes. Ah, s'il y a encore. Si, je suis le roi du Sèvres, moi. Elle devrait en taper normalement. Oui. Je l'ai pris loin. Hein. Et 2-2. Le roi du Sèvres a encore parlé. Hop. Ben voilà. On repart à l'eau. Non, non. Oui. Frère. J'ai... Sur le, ah, sur le poulpe, hein. Seven. Je crois qu'il y en avait deux que j'en ai décroché. Il m'a pris. Ouais, j'ai vu. Ça va, il est loin. Par contre, il s'arrête pas. Hein. Hop, poisson. Ouais. Juste là devant. Joli en fait. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, sympathique. Tu le veux ou pas? C'est la petite pause info pour vous parler un peu de matériel et techniques de pêche. Donc moi pour le micro jig aujourd'hui et la session précédente, j'étais armé avec mon Aken. C'est une vieille canne de Sakura qui est plus commercialisée, mais franchement c'est de la bombe. En puissance 10-40, donc c'est peut-être un peu plus simple pour chercher tout ce qui est sèvres, blad, macro. Mais là j'avais que ça sous la main, donc j'utilise ça, mais c'est vrai qu'à choisir, vous pouvez partir sur une 5-20, une 10-25, une 10-30, parce qu'on pêche rarement à plus de 30 grammes. Moi il m'arrive d'utiliser des 40 grammes, mais
c'est quand il y a de la houle, il y a du vent, qu'on essaie de pêcher loin et de sentir son jig descendre dans les couches d'eau. Pour ce qui est du leurre, les deux sessions sont faites avec le loup jig. Il a vraiment fait la différence. Hein. Je pêchais à côté d'Adrien qui, les deux sessions, lui est passé à côté. Il a eu un ou deux décrochés, mais le loup jig, il a vraiment, vraiment fait la différence. Et ce coloris là, blanc rayé glow, pour toutes les pêches au jig, que ce soit micro jig ou short jigging, ou je pense qu'en bateau c'est pareil, c'est un coloris référence, c'est vraiment le top du top. Pour ce qui est du moulinet, j'ai un petit Stradic 4000 FL. Vous pouvez pêcher sur du avec du 2500, du 3000, c'est toujours pareil. Moi je suis un peu lourd, j'utilise la même matos que pour pêcher tous les prédateurs, loup, barracuda, tasserelle, mais vous pouvez pêcher plus vite, bien évidemment, si vous voulez prendre un peu plus de plaisir, avoir un peu plus de sensation. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Pour ce qui est des animations, vous allez voir également dans la vidéo, il y a tout qui marche, hein, la pose, la coulée, des grands tirés, ramener rapide, ramener doucement. Et l'avantage, moi ce que j'aime beaucoup avec le jig, c'est que c'est un leurre ultra polyvalent, ça prend de tout, absolument. Aujourd'hui j'ai encore pris un joli petit truc auquel je ne m'attendais pas, vous le verrez dans la vidéo. Sinon, voilà, tout ce qui est petit pélagique, même le pélamide, bonite, le loup, le barracuda, j'ai vraiment tapé de tout avec le jig. Ça, si vous êtes débutant et que vous voulez vous mettre un peu à la pêche là, ça, à cette période, micro jig, n'importe quel endroit avec 6, 8, 10, 12 mètres de fond, et on est parti. On est parti, on se régale. Allez, on se retrouve au bord de l'eau, on va continuer la session. On le voit même plus ton truc. Tu es où? Tu es derrière? Hop, poisson. Non. Ouais? Attends, t'es débile là. Non, non, non. C'est bon, on s'en fout, frère. J'arrive, ça sert à rien, frère. Oh, j'arrive pas à le décrocher. Oh. Tiens. Hein? Nous, ce qu'on veut, c'est les prédateurs. Poisson à la coulée. À la coulée. Je sais pas si je l'ai décroché. Ah non, il est là. Oh. Ah, coulé. Non, non, non. Poto ? Non, c'est pas la peine. Ben, je l'ai pris loin. Il va se décrocher encore. Allez, 1-0, Adri. Ouais. Je devais faire la coulée, donc ouais, ouais. Hop. Voilà. C'est l'euro.
Hop, poisson. Ouais. Et c'est pas bien. Ouais. On a mis un beau bloc. Je pensais à Macron. Mal, hein? Hein? Ça a l'air pas mal. Ah non. Il m'a mis un méchant bloc, mais. Et deux, deux. Mais ça est juste un petit peu derrière. Comme moi. C'est bon là. Bah là. Non. Oui. Hop, poisson. Mais non. Ouais. Oh, c'est tain, mais ils font des gros départs. J'ai ou pas. Je te montrerai comment j'anime. Bonne animation, frère. Je mets trois coups secs, tac, 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 et je m'arrête. Ouais, je sais pas si c'est le courant ou quoi, ou à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des monstres, alors que c'est des bébés. Mais c'est vraiment des petits, frère. 1, 2, 3. Toujours pareil le loup jig. Lequel? Non mais y a pas des coups de mal, c'est juste qu'il faut passer sur le banc, c'est tout. Faut les trouver, c'est tout. Moi qui veux pas de moi. Poisson, frère. Poisson ? Elle va couler, frère. Mais soit c'est pas vilain. Poisson ou poule, frère. Je sais pas ce que c'est. Hein ? Je sais pas ce que c'est, frère. C'est super lourd. J'ai passé un petit coup de tête, rien. C'est en train de les écouler. Alors soit j'ai un crochet de merde, soit j'ai un poule, soit j'ai un poisson qui combat pas du tout. Si j'ai un poule, c'est un tout petit. Hein. Calamar, frère. Calamar à la coulée, frère, au jig. Au loup jig, frère. N'importe quoi! Ah. Mais après elle a coulé! C'est beau! Abusé! Ça c'est beau ça! Ça ça fait plaisir ça! Ah, comme ça! Hop, poisson. Oh, c'est nerveux, hein. C'est nerveux. Mais... Je sais pas si c'est assez gros, ça. C'est vraiment nerveux. Peut-être une oblade ou... Quoique non. Alors qu'est-ce que c'est? Ah c'est un beau cerveau. Ah décroché. Il était beau lui. Il était costaud celui-là. Hein.